Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous ? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire ? Ou celle de l'école payante, réservée à une caste et aux beaux quartiers ? Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire ? Celle de la laïcité qui s'impose ou celle des cours religieux imposés ? Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons ? Monsieur le député de la Porte, silence, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations en matière pédagogique, en matière financière, en matière administrative, sur le plan du respect des valeurs de la République et tout particulièrement de la laïcité. Mais aussi, monsieur le député, en matière de mixité sociale et scolaire. Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes. C'est vous qui refusez de vous expliquer. C'est vous qui refusez de démissionner. C'est vous qui n'assumez pas. C'est vous qui insultez les enseignants. C'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants.